Les entrepreneurs trouvent qu'il est difficile de bien s'alimenter lorsque la charge de travail devient importante. C'est l'enseignement de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous donne quelques explications. 43% des entrepreneurs trouvent qu'il est difficile de s'alimenter quand la charge de travail est importante. Pourtant, l'équilibre nutritionnel est un facteur clé de leur performance. Des résultats qui montrent la nécessité d'être vigilant sur leur alimentation. Docteur Pierre Azam, médecin nutritionniste et président de l'Observatoire de l'obésité, nous délivre ses conseils pour trouver l'équilibre alimentaire. Notre équilibre nutritionnel repose sur deux principes. D'un côté, la chrononutrition, qui dit qu'une calorie qu'on mange le matin n'a pas la même destinée que la même calorie qu'on mange le soir, et du coup, qui encourage à faire un excellent petit déjeuner pour avoir de l'énergie tout au long de la journée et d'alléger le dîner pour favoriser sa digestion et son sommeil. De l'autre côté, le fait qu'il faut favoriser les aliments structurants dans l'alimentation qui sont essentiels à l'organisme au détriment, par exemple, du contrôle simplement des calories. Les bénéfices pour l'entrepreneur seront ceux d'une image renvoyée vis-à-vis de ses salariés et de ses collaborateurs d'énergie, de force et de sérénité et de bien-être. Par ailleurs, il aura lui-même un bénéfice puisqu'il aura cette énergie, cette résistance et cette capacité de concentration et de force qu'on lui reconnaîtra. Derrière ça, en s'appropriant ses principes, il pourra de lui-même se prendre en charge, s'occuper également de sa santé physique par l'activité physique et de son sommeil.